Product not yet rated. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws. And we had drought. We had smallpox. Terrible winters. I buried more of my children than I raised. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. But I've never once doubted my life here. Mr. Marshall, come out, wherever you are. Wow, 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 quel claque ce Red Dead Redemption sur PS3 et sur les autres supports, bien sûr, à l'époque. C'est un jeu, comment dire, les graphismes sont merveilleux. Le souci du détail prime. Quand vous voyez les visages des personnages et de notre héros dans le jeu qui s'appelle John Marston, qui est un ancien hors-la-loi, qui s'est fait baiser la gueule par ses compères, laissé pour mort dans un coin, et malheureusement sa famille, sa femme et son fils ont été enlevés par des forces de l'ordre complètement pourries de la ville de Blackwater. Et ce type se retrouve pris entre deux eaux, entre les gangsters d'un côté qui l'ont élevé, qui ont fait de lui ce qu'il est, puisque c'était un orphelin, et de l'autre côté, ces forces de l'ordre, ces flics pourris, qui veulent, en échange de la liberté de, de sa famille, qui tuent un par un les anciens membres de sa bande. Vivant ou mort, pour les flics, pour la police de cette petite ville de Blackwater. Et on retrouve vraiment tout le western spaghetti des années 70-80 dans ce jeu. Quelques personnes disent que c'est un espèce de GTA 4 du Far West. C'est pas faux, même si les programmeurs l'ont plutôt dénoncé, puisque Rockstar, en fait, considère Red Dead Redemption comme un jeu à part de GTA 4, et c'est vrai que c'est quand même, on va dire que le gameplay reste plus ou moins pareil, avec des cartes gigantesques, mais c'est vrai que c'est quand même un jeu différent, très différent, et j'ai passé des heures et des heures à le finir, et j'en suis à plus de 100 heures, bon je suis pas très bon les amis, hein, je vous le dis tout de suite, et je suis arrivé à 80% du jeu, en sachant qu'il y a des quêtes principales, donc on va passer forcément par tuer nos anciens copains. On va aussi s'occuper d'aller au Mexique, s'occuper de la Révolution, puisqu'il y a un des méchants de la bande qui s'est réfugié là-bas. On s'occupe aussi d'une ferme, la ferme McFarlane, je crois. Et là, on apprend à dresser les vaches, à les ramener dans les troupeaux, à s'occuper des rondes de nuit. C'est vraiment un jeu excellentissime. Je suis totalement amoureux de ce jeu. Moi qui fais du rétro, qui touche à peine la PS2 et qui je me retrouve avec ce jeu sur PS3, j'ai été bluffé. L'atmosphère, l'ambiance, tout en anglais. En plus, un anglais vraiment du bled, c'est-à-dire un anglais d'Amérique, mais vraiment profonde. Puisque nous sommes en 1911. Et 1911, c'est un âge assez charnier, puisque c'est plus trop le Far West classique avec les chevaux, les fusils, c'est l'époque industrielle. Et dans le jeu, on le voit bien, cette espèce d'évolution. Dans les petites villes, les petits villages, c'est très Far West, très ancien. Et dans les villes, enfin dans les villes, il n'y a pas beaucoup de villes d'ailleurs, mais dans la ville de Blackwater, qui est une ville moderne, entre guillemets, on commence à voir les premières voitures de cette époque-là, l'ère industrielle, et c'est vraiment intéressant de voir que c'est un jeu qui est entre deux âges, et pourquoi ils ont pris 1911, je pense à cause des armes, parce qu'il y a beaucoup plus de choix d'armes à cette époque-là que ça aurait été en 1880 ou 70 ou je sais pas quoi. Et donc c'est un jeu magnifique, hein. Bon, il y aura toujours
comment dire, des choses négatives. C'est-à-dire que par exemple, au début, j'avais pas compris que, comme la carte est immense, qu'il fallait à chaque mission regarder la première lettre sur la carte pour y aller, pour se déplacer. Ça, j'avais pas compris ça au début, donc je me faisais un peu chier. Je faisais beaucoup chasseur de primes, je tuais des mecs, je touchais des récompenses. Après, débloquer les vêtements, les tenues, c'est pas facile non plus. Mais c'est vrai que c'est tellement bien travaillé, tellement bien détaillé qu'on a envie de voir son personnage habillé de telle ou telle façon hein, à la GTA. Et sinon, les points négatifs, combien de fois je me suis cassé la gueule dans les ravins, tué par des animaux, c'est un peu rageant. Et il y a aussi le fait qu'on peut pas sauvegarder partout. Enfin, il faut avoir un espèce de baluchon qu'on achète dans un commerce. Et ça nous permet aussi de sauvegarder quand on l'a acheté un peu partout dans le jeu et se déplacer de point en point sans faire tous les chemins qui sont des fois très longs. Mais au début, on est obligé de faire les chemins. Mais c'est tellement beau, les graphismes sont merveilleux avec le jour, la nuit, la pluie. C'est vraiment un jeu, voilà quoi. Je suis bluffé, je le dis. Pour mon premier JVVS Story, j'ai pris ce jeu-là. C'est le deuxième jeu que j'ai terminé sur la PS3. Et je continuerai bien sûr les JVVS Story. Et donc, pour en revenir à John Marston, j'ai fini par tuer tous les membres de la bande. Puis ma famille est libérée, puisque John Marston, dans le jeu, n'inspire qu'une seule chose, être en paix. Avec son passé sulfureux et se retrouver à être un vrai cow-boy, quoi, un dresseur de vaches, quoi, avec sa famille, à élever son gosse, qu'il a jamais trop connu d'ailleurs, puisqu'il est quand même assez âgé, il doit avoir à peu près 14 ans, je pense, dans le jeu, ouais, à peu près par là, je sais pas trop, peut-être 16 ans, je sais pas. Et donc, il libère sa famille en tuant tous les membres de la bande. Et on se rend compte que quelques temps après, bon alors là il y a la mission tuto, et donc là on apprend à son fils les rudiments du cow-boy, c'est-à-dire dresser les chevaux, ramener les vaches au troupeau, tirer au pistolet, à la carabine, dépecer les animaux, et donc il apprend tout ça grâce à John Marston qu'on interprète dans le jeu. Et puis un jour, il y a une espèce d'armée américaine avec les flics qui entourent la ferme familiale. Et en fait, ils veulent tuer John Marston, puisque forcément c'est le dernier de la bande. Et c'est là qu'on voit effectivement que aider la justice dans ce jeu, c'est de la couillonnade. Et il réussit à la fin quand même à sauver sa famille. Il se fait défoncer la gueule par l'armée. Il est mort. Et c'est son fils qui reprend le flambeau, et c'est vraiment excellent. Là, on voit, il s'habille pareil, il a les mêmes armes et tout, sauf qu'il est plus jeune. On sait pas combien de temps après, je pense 2-3 ans après, puisque nous sommes dans le jeu en 1911. Je pense que le gamin avait 14 ans à l'époque, que son père a été tué, donc il doit avoir dans les 18 ans, peut-être 16 ans, je sais pas trop, hein, parce qu'il est quand même bien balafré quand même dans le jeu. Et il décide de venger son père. Alors, en sachant que son père savait très bien qu'il allait pas vivre longtemps. Puisqu'avec tous les méfaits qu'il avait faits quand même, braquage de banque, les gens qu'il avait tués, c'était un repenti. Mais il avait payé sa dette vis-à-vis de la société. Et d'où le titre du jeu, hein, White Dead Redemption. Et donc le fils part en quête de tuer le principal marshal qui a fait assassiner son père, qui n'a pas respecté sa parole. Et donc la quête du fils est assez courte puisque j'ai tué rapidement le marshal qui était à la retraite qui chassait au Mexique au bord de l'eau. Donc il y a eu un duel et je l'ai tué au bout de 3 fois je crois. Je suis mort 2 fois quand même. Je suis mort 2 fois avant d'avoir tué. Et là le jeu se termine, c'est-à-dire que les quêtes principales se terminent. Et voilà, je crois que j'ai fini le jeu à cette époque-là avec 76%, en sachant, je vous ai dit, que toutes les quêtes secondaires restent à faire. Donc pour finir, c'est un jeu merveilleux, fantastique, je vous le conseille tous, j'espère que vous avez aimé ma première émission JVVS Story, j'en ferai d'autres sur les jeux PS3 que j'ai terminés, j'ai pas voulu faire, si vous voulez,
un Wikipédia ou lire un texte et vous raconter ce que vous pouvez lire sur Internet. Je parle de mon vécu sur ce jeu, de ce que j'ai fait, des moments intenses que j'ai passés dans ce jeu et je regrette pas ces nuits tranquilles devant ma télé avec ma manette de PS3 qui est au passage excellente, hein, super costaud la manette de PS3. Et voilà, c'était un grand moment et je vous dis à très bientôt pour un nouveau GVV Story. Merci beaucoup!